Oui, j'ai arrêté de faire mes vidéos debout parce que, comment vous expliquer? Je tenais plus debout. Me revoilà sur ma chaise qui fait... Je sais pas comment elles font les américaines là pour poser et machin debout là. Ça fait mal aux pieds, ça fait mal aux genoux, ça fait mal à toute la graisse partout. Je comprends pas, donc bah j'arrête. La tempête intersidérale, j'ai voulu mettre mon chien, que je vous rappelle il est comme ça. J'ai voulu mettre mon chien dehors, il s'est envolé. Je vous jure, il était là, il marchait tranquille, d'un coup je le vois, il fait ça. J'étais oh. Alors je vais rentrer. Puis là je viens de voir un corbeau qui essayait de voler. Le corbeau il a fait... Je vous jure, c'est la tempête. Pète, pète. Willkommen à vous toutes et à tous, nous sommes ici pour parler de romance. Oui bah je sais, j'ai essayé de lire un thriller une fois, ça n'a pas marché. Je sais, j'ai 40 000 Stephen King derrière, mais regardez, c'est un arc-en-ciel. Ouais bah oui, bah moi j'aime bien la romance, donc c'est la vie. Et devinez quoi, mon très cher ami Ludo organise un mois spécial romance et je suis là. Les challenges, j'arrive pas, hein, on le sait, je suis nulle. À chaque fois que je me mets à faire un challenge, je ne lis rien du tout. Mais à chaque fois je fais une petite vidéo avec ma palle et avec ah, je vais lire ça. J'entends mon chien qui crie, j'entends des bruits, mais ça fait bam 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 bam. Donc mon chien n'est pas dehors, je crois, que je l'ai pas oublié dehors, sinon il est envolé, disparu, il vole. Bref. Et donc voilà, les challenges et moi, zéro. Mais par contre, quand Ludo a dit c'est le mois de la romance, j'ai fait oui. Donc voilà, je me fais une palle et je vous présente le challenge si jamais vous le voulez. Vous le voulez vous? Si jamais vous voulez le faire aussi. Donc le mois de la romance, c'est le mois de février, parce que le mois de février c'est le mois des amoureux. Et bah comme on est seul et triste, et ben bah, on lit, hein. Oui, du 1er février au 29, je crois qu'il y en a 29 cette année. C'est une année bissextile. Les années bissextiles, c'est les années des bisexuels. Je viens d'inventer ça, mais hello. Le mois de la romance, du 1er au 29 février. Vous allez lire de la romance parce que vous êtes obligés. Voilà, merci de rien. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez lire autre chose, mais ben... Quel est l'intérêt? Déjà. Mais bref, vous pouvez lire autre chose, hein, y a pas de souci. Mais par contre, pour réussir ce challenge... Calme-toi, va doucement, Georges ici présent. Donc vous pouvez intégrer de la romance et vous avez réussi votre challenge, c'est-à-dire si vous êtes fan de fantasy, si vous êtes fan de jeunesse, si vous êtes fan de... Peu importe, vous pouvez lire tout ce que vous aimez, mais vous pouvez rajouter deux petites romances comme ça et hop, vous avez réussi le challenge. Vous avez plusieurs paliers, donc bah en fait... Ah oui, d'ailleurs il y a un groupe Facebook, donc là c'est là que j'ai pris les petites consignes, etc. Parce que moi je me rappelle jamais de rien. Donc il y a un groupe Facebook qui s'appelle Le Mois de la Romance, oui. Il y a toutes les consignes et tout là-bas, donc voilà. Et puis Ludo il a fait sa vidéo, donc je vous mettrai en barre d'infos et vous explique tout correctement, parce que moi là ça part en cacahuète et on comprend rien, même moi je comprends pas, donc mais vous avez des paliers comme dans tous les challenges, pour ceux qui lisent pas beaucoup, pour ceux qui lisent beaucoup beaucoup, il s'agit de se challenger en fait, hein. Donc il s'agit de lire un peu plus de livres que d'habitude, et donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a des obligations entre guillemets. Le challenge c'est quand même de réussir les petits paliers, les petits machins, les petits bidules. Et donc les paliers différents, c'est un peu, beaucoup, passionnément à la folie, c'est trop bien trouvé, je fangirling sur Ludo. Le palier un peu, c'est lire deux romances. C'est rigolo parce que Ludo dans sa vidéo il dit donc si vous avez pas trop l'habitude de lire de la romance, si vous aimez la romance un peu, beaucoup, à la folie. Alors moi j'aime la romance à la folie, hein. Par contre, est-ce que je lis deux livres par mois? Oui, aussi. Donc c'est un peu ça le problème. Moi j'ai pris le palier d'après parce que le but c'est de se challenger, hein. Et donc si j'avais pris deux, j'étais sûre que au moins j'étais safe parce que c'est ce que je lis par mois. Non, j'exagère un peu, mais des fois oui. Si c'est un mois de déprécheux intense, oui. Ensuite vous avez le palier beaucoup où il y a 6 livres, donc moi je vais tester ça. Déjà, 6 livres, c'est bien. Franchement, j'aurais voulu me tester plus. J'aurais fait passionnément où il y a 9 livres. Mais on va pas pousser mémé, hein, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez à la folie où vous avez 12 livres. Donc vous pouvez lire, bah 12 livres, mais 12 romances du coup. Donc en fait, le principe du mois de la romance, c'est, bah voilà, vous choisissez combien de livres vous allez lire. Donc moi j'ai choisi 6. Le truc c'est de lire suivant une consigne, donc suivant un truc qui vous est imposé, mais que pour la moitié des livres. Moi j'ai choisi 6 et donc je vais lire 3 livres suivant des consignes. Alors pourquoi j'ai choisi un livre pour chaque consigne? Moi je suis un peu de deux, hein. Je dois lire 3 livres où c'est une consigne imposée, donc Ludo il vous a fait 10 petites consignes, vous choisissez dans les consignes, voilà, un livre qui rentre dedans, et le reste à la One Again to Beast to Fly, vous lisez ce que vous voulez. Il y en a un qui est pas pair, genre qu'est-ce qui est pas pair? 9, je sais plus, il avait dit si c'était la moitié de 9, c'est 4 et demi, n'est-ce pas? Je sais plus si c'est 6 et 2 ou...
ou trop... Bref, vous regarderez sur sa vidéo, mais pour celui qui a 9, c'est divisé genre... Vous en avez 3 avec consigne et... 4, 5, 6, 7, 8, 9 sans consigne. Ou l'inverse, je sais plus et je sais pas compter, donc... Merci. Vous prenez la moitié et vous faites la moitié avec des consignes et la moitié à One Again to Beast to Fly, ce que vous voulez. Et les consignes, il y en a 10. Et en fait, ce que j'ai fait pour cette petite vidéo, parce qu'en fait, je vais pas vous faire vraiment de pâle, parce que moi, je suis une mood reader, comme ils disent les Américains, c'est-à-dire que je lis suivant mon mood, suivant mon humeur, étant donné qu'elle est toujours... Je l'ai un peu porte-nawak, donc au final, je me trouve toujours à lire des Sloane Kennedy sur mon téléphone, mais il y a juste des services presse que je vais avoir de chez Hugo Roman, que bah, je vais lire, parce que bah, déjà, j'ai grave envie, et en plus, c'est des services presse, donc... Je vais y lire et en plus j'ai grave envie. En gros c'est ça ma pal. Ma pal c'est les services presse de chez Hugo. Donc c'est un peu tristounet pour vous. Enfin quoique ils vont sortir en février, donc du coup vous pouvez les lire avec moi. Donc enfin bref, je vous dirai. En fait ce que j'ai fait c'est que pour chaque consigne j'ai sorti des bouquins que aussi j'avais déjà lus et que je vous conseille. Et si jamais vous avez pas encore lu, bah vous pouvez les lire pour ce challenge. Voilà, ça s'appelle des recommandations. Donc les concons, les cicignes. Première consigne, lire un livre avec du bleu sur la couverture. Les doigts dans le nez. Et donc moi je vais lire par contre Everyday Heroes de Kaa Bromberg, parce que bah, c'est un service presse Hugo Roman qui va sortir. Donc c'est une nouvelle saga. Ça sort le 6 février et en fait c'est une nouvelle saga. Et alors elle a écrit la saga Driven et bon, je sais plus quoi d'autre. Mais bref, j'ai pas lu tout ça, mais je sais que c'est une autrice de romance connue et donc j'étais en mode. Et en plus, ça m'intéressait trop parce que c'est une saga sur bah, Everyday Heroes, c'est genre les héros de tous les jours, et donc c'est sur des hommes en uniforme. Oui. Et donc le premier c'est sur un policier, je crois qu'il y aura sur un pompier, sur. Enfin, vous voyez. Le premier c'est sur un flic aux États-Unis et il va. Je crois retourner dans sa ville d'enfance et je sais pas quoi, il va renouer avec son crush de quand il était petit. Nouvelle saga de Kaa Bromberg sur les hommes en uniforme. On adore. Et ça sort le 6 février, donc vous pouvez le lire avec moi, il y a pas de souci. Et il y a du bleu sur la couverture. Et sinon, à part ça, j'en ai sorti 3 milliards où il y a du bleu sur la couverture, mais genre c'est mes faves, donc celui-là, je sais pas s'il rentre dedans. Je vous avoue que c'est un peu du bleu vert, le turquoise ma vie, ma couleur préférée, j'aime trop, je sais pas pourquoi ça me gratte le nez à chaque fois que je cesse de la nuit. Si c'est un peu du bleu, c'est du bleu, bleu d'eau, vert d'eau, c'est du bleu vert, donc c'est du bleu quand même, c'est du bleu turquoise. Le turquoise ma vie, c'est une romance paranormale, donc ça rentre grave dedans, donc lisez Chasseuse de la nuit, c'est sur des vampires. Sauf que c'est pas genre les vampires qui brillent au soleil, qui sont tout gentils et qui boivent du sang d'animaux. C'est des vampires badass, c'est des vampires trop drôles. Avec une fille qui est mi-humaine, mi-vampire et qui chasse les vampires. Et qui est trop badass et qui est trop drôle. Et Cat and Bones, ma vie, cette romance est magnifique. Voilà, merci. Vous pouvez aussi lire Psy Changeling, bleu, ma vie. Ce tome 1, la vie, il est vraiment trop bien. C'est sur deux espèces différentes, un petit peu dans, bah, un petit peu beaucoup dans le futur. Et c'est des humains qui ont changé en fait, qui sont un petit peu robotiques et qui ont des pouvoirs dans leur tête. Et bref, ils ressentent pas d'émotions. Ça s'appelle les psys. Et il y a les changelings, c'est des humains qui se changent en animaux. Ce sont des races un petit peu ennemies parce que l'une des races ressent les émotions et à fond émotion et l'autre est complètement froide et tout. Et genre ils peuvent pas s'attaquer. Et ça va être l'histoire d'amour entre une psy et un changeling. C'est trop bien, c'est trop hot, c'est trop romantique, c'est trop... Ah. Et en plus l'univers est super immersif, non-missing... Queen, autrice de couleurs en plus et pff, franchement, petit changing de la vie. Ensuite, bleu sur la couverture, Summer of Salt, pour ceux qui lisent en anglais, je sais, je vous rabâche les oreilles mais c'est grave bien. Bon, j'avoue c'est un peu mieux de le lire en été. Ça se passe sur une petite île où il y a la mer et tout et c'est hyper ambiancé, je dis toujours ambiancé mais je sais pas comment dire. Bah immersif et roman d'ambiance, mais c'est ambiancé, bref. Et avec la mer et tous les vagues et machin, mais bref, si vous aimez la mer de toute façon, la mer, la daronne. Lisez Summer of Salt, la vie, c'est un petit peu magique puisqu'on parle un petit peu de sorcière en fait. Ça part en mystère et en même temps, il y a plein de messages super importants et c'est assez poétique et c'est cette histoire est trop bien. Lisez Summer of Salt, il y a du bleu partout donc on adore. Voilà bref, et tous les autres que je vais vous montrer, de toute façon il y a du bleu aussi donc easy peasy. Le deuxième c'était lire un livre entre 350 et 400 pages. Ah faut que ce soit entre pile. Alors non, ça rentre pas dedans. Celui-là non plus. Anna, ouh. Celui-là il rentre. Ouf. Ah une illustration, j'avais jamais vu qu'il y avait une illustration. En fait je suis en train de... C'est les étoiles de Nos Ed et j'ai acheté plein de 3 milliards de versions mais j'ai jamais lu dans cette version de Rebelle en fait, j'ai acheté pour les... The Spine, enfin bref, pour ma collection, mais j'avais jamais lu cette version et à la fin il y a une illustration. Et je suis
chouchouk. Bref, celui-là il rentre dedans. Donc vous pouvez lire les étoiles de nos aides. Il fait entre 300. Non, il fait pas 350. Attendez, c'est dur ce challenge. Il fait pas 350, donc attendez. Celui-là il rentre dedans. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc vous pouvez lire autobiographie. Voilà, il fait entre 350 et 400 pages, puisqu'il en fait 398. Et il rentre dedans, donc lisez autobiographie. Et il y a aussi du bleu sur la couverture et les étoiles de nos aides. Il est à l'envers, mais il y a aussi un peu de bleu aussi. Livre sorti la deuxième moitié de 2019. Donc là, j'ai un peu trichasse, hein, parce que bah moi, ça va être tous mes... si vous voulez lire avec moi tous les Hugo romans qui vont sortir, ça va pas le faire, parce qu'ils vont sortir en 2020. Moi, je lis pas les trucs au moment où ça sort, donc... Mais vous pouvez lire... Il y a plein de livres qui sont sortis la moitié de 2019. J'ai rien lu qui était sorti, parce que j'achète beaucoup des choses qui sortent, mais est-ce que je les lis? J'ai lu plein de Sloane Kennedy qui était sorti cette année par contre. Lisez du Sloane Kennedy, by the way. Mais le problème, c'est que si vous voulez commencer par le 1 des Protectors par exemple, celui-là il est pas du tout sorti deuxième moitié de 2019. Mais j'ai lu plein de Sloane Kennedy qui était sorti deuxième moitié de 2019. Mais bref, j'en profite au passage, lisez du Sloane Kennedy, merci ma vie. Ah, je vois celui-là, peut-être que oui. Celui-là, Pestilence de Laura Thalassa. Il est sorti. Amazon, help me. Mes recommandations sont géniales. Le 16 décembre 2019. Oui, donc c'était dans la deuxième moitié de 2019. Donc vous pouvez lire Pestilence, tout le monde et leur mère adore. J'ai pas encore lu parce que bah, je vous dis, je lis jamais rien dans... Moi je lis des trucs qui datent de Mathusalem, j'en suis encore à 2009 moi donc... Mais vous pouvez lire celui-là, il y a plein de gens qui l'ont bien aimé. C'est un truc post-apocalyptique un peu. En fait c'est bah, les cavaliers de l'apocalypse en fait, qui descendent sur Terre, qui sont en mode les humains, boubou, ils puent du bec. Et donc ils sont là, on va les détruire, hein. super, c'est l'apocalypse. La pestilence c'est celui qui apporte bah, la peste, hein, la maladie, etc. Et elle c'est une fille qui est... pompier, il tire à la courte paille dans sa caserne de pompier pour qui va aller botter les fesses à la pestilence parce que bah ils ont pas envie de mourir en fait hein. Et donc voilà, il tire à la courte paille, c'est elle qui est choisie et elle va cramer pestilence hein, voilà, elle va lui mettre le feu hein, allumer le feu, et sauf qu'il est immortel, il va se réveiller complètement cramé, il va être un peu énervé hein, sur les bords, et donc il va la kidnapper, il va la traîner partout pendant que bah, qu'il répand la maladie partout, et bref, ils vont tomber amoureux, grave bien. Et voilà, deuxième moitié de 2019, merci. Consigne suivante, j'ai du mal en fait à trouver. Lisez un one shot, bon... Je vous ai sorti 40 000 sagas, alors attendez. Ah oui, non mais parce que un qui est sorti la deuxième moitié aussi de 2019, je repars sur l'autre consigne, super. J'avais sorti Birthday de Meredith Rousseau, en fait il est sorti en mai. Si vous voulez la deuxième moitié, c'est les 6 derniers mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc bon, c'est pas vrai dans la deuxième moitié, mais il est sorti en 2019. Bref, lisez Birthday de Meredith Rousseau. C'est un On Voices, donc c'est sur un personnage, une femme trans, écrit par une femme trans. Et il y a une romance, Chef's Kiss, et voilà, et il est magnifique. Ensuite, c'était quoi? Ah oui, un one shot. Bon, bah lisez Autobiographie de Christina Loren. Une romance MM, young adult, qui, je pense, est pas mal si vous commencez dans le MM, donc masculin, entre deux hommes. Bon. Je dis à chaque fois parce que qu'est-ce que c'est le MM après, ils me disent. Et si vous voulez commencer, je pense que ça c'est bien parce que c'est un young adult tout kiki, tout mignon. Et vraiment une romance trop mignonne. Et ça parle de plein de sujets d'importance, ça aborde la religion. Par contre, si vous êtes très... Bah justement, même si vous êtes religieux et si vous... Enfin, religieux, en mode vous êtes pape, vous êtes prêtre. Si vous pratiquez une religion et etc. Je trouve que c'est bien fait parce que c'est ça, la religion est abordée correctement. C'est pas en mode, bouh, la religion c'est pas bien, faut pas être religieux, bouh, la religion c'est horrible. Je sais qu'il y a souvent des amis à moi qui sont en mode, ah ben moi je vais pas lire ça parce que si ça parle de la religion, je suis sûre que ça va diaboliser la religion et ça m'intéresse pas. Et en fait là, je trouve que non, du coup. Et je trouve que c'est très bien fait. Tout est très bien fait là-dedans. La bi-représentation aussi magnifique, et aussi un aspect où ils écrivent leur livre, chacun écrit son livre, et je trouvais ça trop bien, ils sont trop mignons, et il y a trop plein de sujets trop bien abordés, et franchement lisez-le, il y a du bleu sur la couverture, c'est un one shot. Merci. Un one shot aussi, Summer of Salt, c'est un one shot, et les deux autres là que je vais vous montrer aussi c'est des one shot. Celle-là elle est easy. Par contre, la suivante c'est votre auteur, autrice préférée. Alors, bonsoir. Bien sûr j'adore la maman de Taye Zane, donc Abigail Roux, mais sauf que j'ai lu, ouais, j'ai pas lu tout ce qu'elle avait écrit, mais j'ai presque lu tout, enfin j'ai pas tous ses livres
dispo. Vous pourrez lire du Janine Frost qui a écrit Chasseuse de la nuit, mais pareil, ça fait 107 ans que je suis pas à jour dans ces sagas et c'est vrai qu'il faut que je recommence, mais c'est compliqué. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que une de mes découvertes de cette année, c'est Catherine Aleno. Et chez Hugo, un de mes petits services presse va être un livre de Catherine Aleno qui va sortir chez Hugo New Way. Donc c'est pas un new romance, c'est pas du new adulte, il n'y a pas du olé olé, etc. Ce sera plus avec des adolescents. Un livre qui s'appelle Tout près d'ici. En anglais c'est You Must Not Miss, que je n'ai pas encore lu de Catherine Aleno, mais j'ai lu celui-là, j'ai adoré, et j'ai adoré la plume de l'autrice, donc ça va être une de mes autrices favorites, je le sais. Ça, c'est pour ça que j'ai demandé le service presse chez New Way en plus, parce que j'ai vu Catherine Aleno, j'ai fait... Bon, déjà, ils ont pas fait Summer of Soul, donc j'ai fait... Bon, mais c'est pas grave, ils ont fait You Must Not Miss, donc c'est déjà bien. Et donc, c'est tout près d'ici, c'est à propos d'une jeune fille qui écrit dans son journal intime. Et en fait, elle a plein de problèmes, son papa trompe sa mère, donc du coup, ses parents ont divorcé. Je crois que son frère est en prison ou un truc comme ça. Tout le monde l'insulte dans son lycée, c'est elle le bouquet mystère. Et bref, elle est assez seule au lycée. Et elle écrit dans son journal intime où elle a inventé un monde qui s'appelle Tout près d'ici. Et voilà, elle s'invente son petit monde et elle fait genre elle est dans son monde, etc. Et je pense que, connaissant Catherine Aleno, il va y avoir une petite partie de fantastique où peut-être qu'elle va aller un petit peu dans ce petit monde et on va avoir un petit... Voilà, tout petit élément de magie, mais pas grave du fantastique, mais un tout petit élément. Et c'est Catherine Aleno, donc... Donc voilà, si vous voulez le lire aussi, il sort le 13 février. Et puis sinon, c'était quoi la consigne déjà? Une auteure, autrice préférée, ça va être votre auteur ou votre autrice préférée. Il fait tout noir, ça va faire tout noir. Parce que c'est la tempête. Vous voyez, pour un coup, je suis dans le rythme, je filme à des heures raisonnables. Il est 16h de l'après-midi, franchement, ça va. Normalement, je suis là, bonsoir, il est 3h du matin. Et là, on dirait qu'il est 3h du matin, tout le monde va me dire, on a trop l'habitude de te voir dans la nuit. Mais je suis désolée, c'est le temps, c'est pas moi. C'est le temps qui passe, donc c'est pas moi. Bref, ensuite, je mets 4 heures pour faire cette vidéo, faut vraiment que je me... Hein ? Ensuite, un auteur ou une autrice française. C'est pour ça que j'ai sorti Les Étoiles de nos 7, parce que, Sophie Jomin, la vie, elle est française. Là, c'est une saga fantastique, je pense que vous connaissez, une saga fantastique en mode Twilight, mais en mieux. D'une jeune fille qui part en Écosse parce qu'elle a de la famille là-bas, elle est française, et elle part en Écosse. Déjà, rien que le setting de l'Écosse, c'est trop beau. Là-bas, elle va rencontrer un garçon, et sauf qu'il est pas tout à fait normal, donc voilà. C'est fantastique, comme son nom l'indique, c'est fantastique et c'est trop bien, et l'Écosse, et Anna elle est trop belle, et bref. Donc une auteure française, et moi, je vais lire un qui sort chez Hugo aussi, en fait je vais lire que mes services presse, hein, vous avez compris. Il s'appelle, en fait j'en ai deux, un qui s'appelle Pané sous la même étoile, de Adèle Ninet. Ça se passe à Paris en fait, c'est sur un mec qui habite à Alfortville, alors ça me fait trop rire parce que ma pote Iman habite là-bas et genre quand je lui ai montré le résumé elle était morte de rire. Et donc bref, il habite là-bas et apparemment c'est l'enfer et il est dans le monde de la drogue etc. Parce que forcément c'est un wesh wesh s'il habite à Alfortville, franchement j'y vais pas. J'ai pas lu le livre donc je pense que peut-être c'est pas caricatural parce que je sais pas si l'autrice vient de là-bas ou pas. Mais par contre si c'est archi caricatural et que c'est en mode ouais les banlieues ça craint et tout, ça va trop m'énerver mais... On espère que non. Bref, lui, il vient de là et il vend de la drogue, etc. Enfin bref, il est un petit peu mal famé. Enfin, il est pas très, voilà, un peu bad boy, vous voyez. Ça va être une romance avec une jeune fille qui, elle, fait de la danse classique et étudie la littérature. Et genre, c'est les bobos de Paris. Ils ont tout pour se détester parce qu'ils sont graves à l'opposé. Mais en fait, romance. Et donc, voilà. Je pense que c'est une autrice française parce que ça se passe à Paris, etc. Oui, Adèle Ninet a grandi en banlieue parisienne. Bah voilà, donc si elle a grandi là-bas, à mon avis, elle va pas être en mode cliché-cliché, vous voyez. Donc elle connaît. Celui-là, Panier sous la même étoile, il sort le 13 février. Voilà, donc ça c'est une autrice française. Et aussi, également le 13 février, va sortir Secret défense d'aimer, le tome 1 de Axel Auclair. Celui-là, j'en avais entendu parler en fait, par hasard, sur la chaîne de Elsa Makeup. Je sais, rien à voir. Mais des fois elle parle de livres et elle avait parlé de celui-là. Et donc c'est dans l'univers militaire. Il était sorti en auto-édité ou dans une petite maison d'édition quand elle l'avait lu. Et quand j'ai vu qu'il sortait chez Hugo, je me suis dit, tiens, une jeune femme qui travaille donc pour le gouvernement et qui va être affectée à un poste de la défense. Enfin bref, elle va devoir travailler avec un mec, pareil, un militaire qui est assez le militaire de base en mode, lui, il obéit aux ordres, mon travail et tout, robot quoi le mec. Et donc elle va devoir travailler avec lui. Elle va essayer de briser sa coquille. C'est pas une métaphore olé olé, hein, mais bref. Ça a l'air bien. Et autrice française. Cette vidéo va-t-elle finir un jour? Ensuite, ah c'est celui-là que j'ai galéré, cette consigne-là, c'est un livre avec un acteur. Donc je sais que Ludo est en train d'écrire une histoire avec un acteur à l'intérieur, donc je pense que c'est pour ça qu'il a mis ça, mais du coup il pourrait pas vite sortir son histoire.
j'ai une montre pour un coup. Vite sortir son histoire et comme ça voilà j'en ai un parce que bah là j'ai pas trouvé à part, j'étais en train de fouiller et en fait j'ai trouvé ça. Evelyn Hugo, même si c'est pas un acteur c'est une actrice, mais il me semble que c'était une actrice, enfin c'est pas réel, c'est une fiction d'ailleurs. En gros c'est Marilyn Monroe si vous voulez, des années 80, des années 50, des années 80. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est traduit chez Milady. Ils ont mis une femme blanche sur la couverture alors que Evelyn Hugo est cubaine, mais il y a eu un gros scandale et etc etc, mais bref c'est traduit chez Milady. Et oui, donc c'est à propos d'une actrice en mode Marilyn Monroe, ce qui paraît c'est très très émouvant, il y a de la représentation de personnes bisexuelles et voilà, et de personnes de couleur aussi vu qu'elle est cubaine, que ce livre a fait le tour de BookTube America, c'était le livre préféré de tout le monde et leur mère en 2018. Et donc voilà, forcément je l'ai acheté parce que bah, tout le monde était donc du coup je l'ai acheté. C'est tout ce que j'ai trouvé avec une actrice du coup, mais pas un acteur. Et par contre si vous avez un livre avec ça dedans, tell me, parce que moi j'ai rien trouvé, j'ai des trucs de fantasy, des trucs de urban fantasy, des trucs avec des rockers, des chanteurs, des tout ce que vous voulez, mais alors des acteurs non. Ensuite lire un grand format, bon bah tous ceux que je vous ai montré, et lire un livre hors des USA, alors ça je me suis dit et en fait bah vous avez Les Étoiles de Nocède qui se passe en Écosse. Pourquoi j'avais sorti celui-là? Ah oui, pour un one shot. J'avais sorti Strange Grace pour un one shot, même si c'est de la fantasy, il y a quand même une grande partie de romance. C'est une romance polyamoureuse et j'aime trop parce que voilà, c'est entre trois personnes. Je vous ai sorti plus des trucs voilà qui y a de la romance à l'intérieur, mais c'est pas la pire romance en mode les Sloane Kennedy, en mode voilà, c'est pas la pire romance contemporaine où il y a que ça. Même si c'est mieux de lire ça, mais je pense que la plupart des gens qui me regardent, ils ont pas l'habitude d'en lire, donc du coup, je vous choisis des livres où il y a de la romance dedans, mais il y a autre chose. Donc, si vous aimez la fantasy, si vous pouvez lire en anglais, franchement lisez Strange Grace, c'est la vie, c'est hyper spooky, il y a tout un univers très ça fait peur mais en même temps pas trop parce que voilà, moi je suis une flippette donc non, un petit peu Halloweenesque et tout et fantasy et cette relation polyamoureuse est trop bien. C'est une des rares fantasy qui est en one shot et qui se termine et qui c'est bon, parce que les fantasy souvent c'est voilà, c'est des pires sagas énormes, mais celui-là voilà c'est un one shot et il y a une super romance à l'intérieur, donc voilà. J'en étais où? Ah oui, hors des USA, donc Les Étoiles de Nocède. Summer of Soul, on sait même pas où c'est, donc peut-être, oui. Strange Grace, c'est dans un monde autre, donc oui. Bon, tout le reste, c'est ça. Puis pour moi, je vais lire Pas né sous la même étoile, c'est pareil en France. Il me semble que Secret Défense d'Aimer, c'est peut-être en France, mais je suis pas sûre. Je sais pas si c'est les militaires de France ou des USA, je sais pas. Et voilà. Et puis la dernière consigne, c'était quelqu'un choisit un livre pour vous. Et donc, je viens de choisir 40 000 livres pour vous, donc si jamais vous voulez prendre un des livres que j'ai conseillé et le lire, voilà. Et c'est tout, ça y est, c'est enfin fini. Mon dieu. J'ai mis 40 milliards d'années pour faire cette vidéo. Donc, je vais essayer de lire 6 romances. Ça va être compliqué. Donc déjà, je vais lire mes romances Hugo. Donc, je vais lire Everyday Heroes qui a du bleu sur la couverture. Donc ça me fait une consigne. Je vais lire Pas né sous la même étoile aussi a du bleu et par une auteure française. Donc ça fait une autre consigne. Secret Défense d'Aimer rentre là-dedans aussi. Mais du coup, ça me fait un autre livre sans consigne. Je vais lire le Katrina Leno, qui est une de mes autrices préférées. Donc ça me fait encore une consigne. Donc ça y est, j'ai mes 3 livres avec la consigne. Et j'ai 4 livres. 4 livres que je vais lire chez Hugo. Maintenant, il faut que j'en trouve 2 autres. Bon, en fait, les 2 autres, ça va être Allow Me Again to Be Souffle. Soit j'ai envie de lire un Sloane Kennedy et je me le lis. Soit j'ai envie de lire un e-book que j'ai. Parce que j'ai 3 milliards d'e-books en ce moment. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, coucou, allez me suivre. Parce que en ce moment, je vous mets. Quand je trouve des e-books gratuits que les américaines balancent par-ci par-là, c'est que en anglais. Mais j'ai trouvé par exemple le livre que je viens d'acheter, celui-là. J'ai acheté ce livre-là récemment et l'autrice l'a mis en e-book gratuit récemment. Donc je l'ai pris pour comme ça je peux le lire en e-book. C'est sur une jeune fille qui a de l'anxiété et qui est bloqueuse littéraire et qui va vaincre un petit peu son anxiété pendant un temps pour aller à un signing, donc une dédicace d'un mec, enfin une dédicace, il y en a, je crois qu'il y a plusieurs gens, mais elle va croiser un auteur de fantasy qu'elle déteste, enfin elle déteste ses livres, elle fait que de comment dire, de les casser sur la toile et etc. Et lui il va être là, ah c'est toi qui fais que de casser mes livres et tout, elle va être là, oups. Et en fait lui il va avoir besoin, enfin il va devoir se marier pour parce que son éditeur il veut qu'il soit plus bien sous tout rapport etc. Parce qu'il a une réputation et tout, donc faut qu'il se marie pour qu'il soit plus casé et machin. Et elle aussi a besoin de se marier pour je sais plus quoi. Et bref ils vont finir mariés, un mariage arrangé en fait. Et bref elle a de l'anxiété etc, les livres et tout. Et celui-là était gratuit sur Kindle. Pareil, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on a besoin d'avoir une Kindle
le truc, le carré. Hein. Et non, en fait, vous pouvez sur votre iPhone ou sur votre Android, même si... vous pouvez télécharger l'application Kindle, en fait, et ça marche aussi. Donc sur Instagram, je vous montre quand j'ai trouvé des e-books gratuits, et là, j'en ai plein ma bibliothèque Kindle. Et donc si j'ai envie d'en lire, voilà. Donc j'essaierai de lire 6 livres, et j'ai réussi à remplir 2, 3, 4, 5 consignes. Enfin, 3 consignes, en tout cas, pour avec mes services presse, donc... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez ou pas. Moi, ça me ferait plaisir de savoir qui va participer, qui va lire quoi aussi. Parce que ça fait des petites recommandations également. Surtout pour le truc avec l'acteur là, parce que. Et merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!